Dans cette version de Pokémon X, tout est aléatoire. Les types des Pokémon, les statistiques, les talents, les Pokémon sauvages, les Pokémon des dresseurs, les objets dans la boutique. Bref, tout est aléatoire. Tout. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On rush les 200 000 abonnés et venez sur Twitch. Bisous. En vrai, je suis content de jouer à XY, je sais pas pourquoi. Alors, mes starters. Ah ouais, mais je sais pas, ils sont de quel type. Plus, les stats sont aléatoires, mais là, je sais même pas qui est un bon Pokémon et qui est un mauvais. Celui que je préfère de tous, c'est Aeropteryx. On l'appelle comment, les gars? Mettez tous un message dans le chat, je mets le nom d'un viewer, et s'il meurt, je banne définitivement le mec. Poiscoan, ok. On est parti pour Poiscoan. Bonne chance, mec. Insecte dragon, why not? Il a une bonne attaque, mais il est moins attaque, c'est dommage. Flingoust, je sais pas qui c'est ce Pokémon. Donc là, je peux faire n'importe quelle attaque, en fait. Je sais pas, il est de quel type. En fait, je vais genre vraiment juste jouer aléatoirement. Oula, c'est pas très efficace. Rafale psy, peut-être ça peut faire du dégât. Super efficace. Attendez, mais il est quoi comme type? J'avoue, combat. Bravo, laisse passer les Pokémon. Alors, je crois que là on doit dire au revoir à la daronne. Là, ça fait 11 minutes que je joue. Déjà, à chaque fois que je vais dans une nouvelle zone, il y a ce petit ding. J'ai fait combien de pas, les gars? C'est aberrant. Ah. Ouh, c'est un méga. Il a aura féerique. Les talents sont pas aléatoires. Allez, un. Non. Non. Oh, la dinguerie. Oh, il est type acier. C'est incroyable. Mamoule. Allez, les gars, on le retrouvera. Mamoule, ok. Oh là là, la stat de vitesse qui est catastrophique. C'est sa pire stat. Par contre, il a 13 d'attaque. Je teste à chaque fois toutes mes attaques, hein. Oh, c'est nul. Mais attends, mais Vamprisme, c'est vraiment nul, hein. Force cachée. Bah, en vrai, ouais. Par contre, force cachée, du coup, je sais pas du tout c'est quel type. Feu ensorcelé. Merde. Je suis insecte. Ah oui, je suis insecte dragon. Psycho, what the fuck. Non, vraiment, les attaques sont aléatoires. Allons-y. Est-ce que tous les méga électroïnes ont le même type? Je pense que c'est ça, hein. Mais sinon, je recroise un... Lui, là, ce sera le même type, il me semble. Faute Frimousse qui paralyse. Je pense que je vais capturer le Axolotl. Déjà parce que c'est un de mes Pokémon préférés all time. J'adore son sourire. J'adore j'adore ce Pokémon. Ok. Glace. Ghost. MGL. Il a jamais payé un sub. Je serais trop heureux de le bannir. Oh, il a boom final. Donc en vrai, s'il meurt, il me rend en héros. C'est cool en vrai. On peut pas être free to play dans ton live. Si. Ah, ah oui, mais après, c'est vrai que c'est aléatoire. Donc en vrai, ça va. Est-ce qu'avec le random, il peut avoir son type de base? Oula, super efficace. Ah non. Là, il y a un méga léviator, mais je ne réagis même plus. Hein. Est-ce qu'elle me donne déjà le multi-XP ou pas? Ou c'est après l'arène? Ah non, elle me donne pas encore le multi-XP. Putain. Je dois faire déjà l'arène là? C'est vraiment son. Pour 0$? Bah ok. Du heal, c'est compliqué. Oh, en vrai, eau fraîche pour 200 balles. Par contre, Marisson, je vais le capturer, je pense. En vrai, s'il a un bon type, je le joue. Oh. Ok. Eh, no fake, why not? Nonokage, je crois que j'ai vu. Nonokage, il est souvent là sur le chat. C'est quoi retenu? Le lanceur attaque avec retenue et laisse l'ennemi un PV. C'est très nul, hein. Mais avant que la vidéo commence, laissez-moi vous parler de Bloodline Heroes of Litas. C'est un jeu mobile RPG avec un style 3D dans lequel vous pourrez construire votre propre royaume et collecter des champions. C'est d'ailleurs un système de gacha unique avec un système hybride. Et c'est le moment d'essayer le jeu, car il vient de recevoir la plus grosse mise à jour jamais réalisée, le nouveau système d'hybride. Vous pouvez personnaliser vos personnages grâce à un système de mariage qui permet de créer plus de 800 nouveaux hybrides différents, ce qui permet d'avoir des champions héritant des talents, des caractéristiques, mais aussi d'apparence unique transmise par chaque arbre généalogique. En parlant d'apparence, le nouveau clan des vampires, les maudits, fait son apparition dans le jeu en tant que nouvelle lignée pour Halloween. Ce sont les assassins les plus sombres et terrifiants du monde de Litas, un clan de morts-vivants s'étant levé aux côtés des elfes noirs sur les cendres de leur patrie. Ils ont été maudits par un sombre rituel leur donnant une soif de sang insatiable, ce qui leur permet, en plus d'écraser leurs ennemis, de se maintenir sur le champ de bataille durant de longs combats. Et en participant à l'événement Halloween disponible à partir du 27 octobre, vous pouvez obtenir un champion maudit gratuitement sur le 7e jour. Vous pouvez télécharger Bloodline avec le lien qui se trouve dans ma description et le QR code qui apparaît à l'écran. En l'utilisant, vous recevrez un pack démarrage gratuit contenant 10 potions d'énergie, 100 000 or et 100 diamants. Et le 27 octobre, vous pourrez avoir un champion vampire gratuitement. Merci encore Bloodline d'avoir sponsorisé la vidéo. En fait, je vais faire l'arène pour vite avoir le multi-XP, comme ça on va pouvoir se bouger, quoi. Franchement, je... Ah ! Ne peut plus s'échapper ! Mamoule ! Il a l'attaque signature de... Zygarde ? Attends, Blizzard, ça peut peut-être passer. Il rate ? Mamoule a été banni. C'était mon meilleur Pokémon, par contre je suis abattu là. Oh là 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 là. Non mais il me fait trop de dégâts là. Il me fait trop de dégâts. Rappelle si ça fait quoi. Mais sérieux là. Crochet venin, il faudrait que ça empoisonne. Ok. Entraîne Ghost pour l'arène. Bah en vrai Ghost là il a copy type. Oh là là, il apprend que des attaques de merde. Ok, en vrai j'ai pas dit que c'était un Nuzlocke, hein, et ça ne l'est pas, hein. Je vais quand même, je pense, utiliser mes Pokémon qui sont morts, tu vois. Mais le mec est banni du chat quand même. Après au calme, hein, genre quand l'aventure sera finie, il sera déban. Premier badge. Alors, elle m'envoie un Manzai. En vrai, Manzai, ça va. Après, vu que les stats sont inchangés, imaginons sa stat de défense de Manzai va dans sa attaque. Attaque, flamme croix. Mais c'est l'attaque signature de Reshiram. Putain, mais Mamoule, il est type acier. Bannez-le, hein, bannez Ghost, hein. Putain, je vais faire crochet venin en vrai parce que ça peut empoisonner. Mais fais des dégâts. Flamme croix. Oh là là, il a baissé ma défense P.
Ça va. W résistance. Et Nonokage, il est quoi? Il est électrique fée. Bah en vrai, fée, ça résiste pas à feu. Feu résiste à fée. Ah non, c'est l'inverse. Crisacier, bon ça va. On a... Après, Crisacier, imaginez sa stade de défense de Crisacier devant en attaque. J'ai peut-être déconné. Je m'excuse, non vraiment. Mais je pensais que... Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon dieu. Tout le monde est ban déjà. En tout cas, premier badge. Alors, il n'y a plus personne dans mon chat, mais premier badge. Multi-XP, let's go. Ok, là, à partir de maintenant, ça va être beaucoup plus simple. Parce que même les merdes vont pouvoir XP. Voilà. Là, on va capturer un nouveau Pokémon. Ouh! Stylix, pourquoi pas? Après, je me demande quel double type il a. 1, 2, 3, ah! Let's go! Il est fée pure! Oh! Oh, Exile. Vas-y, je vais mettre Exile. En vrai, à part sa vitesse qui est moyenne, mais au pire, c'est pas grave. Il a Dracorage! Attends, mais c'est trop fort en début de game. Régirock. Attends, mais en vrai, Régirock, j'avoue, il doit pas avoir explosion et tout. Plénitude! Wesh! Ça peut être pas. Il a pistolet à eau. Il me pisse dessus. 1, 2, 3! Let's go, Régirock! OMG! Oh, il est glace. Oh non. C'est gaze. Vas-y, je l'appelle comment? Quoi, Lux? Allez, vas-y. C'est un Pokémon ultra défensif et rapide, mais il a peu d'attaque. Hein. Draco Rage, je vais tellement en abuser. Wesh, pourquoi il y a Joël comme ça? C'est quoi ce plan-là? Alors, choisis cette chose. Merde, j'ai cliqué trop vite. Ah non, c'est bon. Ah non, ça a changé. Oh, Tortipousse. Ah, mais je kiffe Tortipousse. Ah non, non, non. Après, il va pas être de type plante, mais ok. Natfi. Ah, putain, mais je t'aime bien, Natfi. Ça me ferait chier que tu sois ban. Natfi. On va voir ce qu'il a. Il est glace vol. Il est plus attaque. Mais attends, il a des bonnes stats, hein. Par contre, il y a beaucoup de types glace, hein, putain. Ah, c'est vrai, je vais aller au café. Mais là, j'ai envie d'avancer un peu l'aventure. Parce que XY, c'est beaucoup plus lent que... Waouh. Éclair gelé, qu'est-ce que c'est que cette attaque? Attaque du QRM. Ah. Par contre, l'XP qu'on gagne avec un randomizer, je sais pas si vous vous rendez compte. Ah, est-ce que j'ai capturé un Pokémon dans cette zone? Bah après, je suis pas obligé de faire toutes les zones, hein. C'est pas un Nuzlocke, encore une fois. Fionn. Attendez, Fionn d'un autre type, par contre, ça peut être sympathique. Hein? 2, 3, yes! Fionn, pas un type O. Je le renomme même pas, mec, je vais pas l'utiliser. Déjà, il a le type de base, et en plus de son type de base, il a sécheresse. On est où là? Oh! Nonokage évolue? En vrai, on va voir si le type évolue, mais je pense pas. J'avais pas ça. Les évolutions sont aléatoires? Oh non, wesh. Théoriquement, il va déjà évoluer, là, vu qu'il est niveau 16. C'est où les ordres, les gars? Oui, c'est là. Mais comment ça marche? T'as du miel. Ah, c'est que avec le miel? Ouais, j'ai du miel, ouais. J'ai récupéré du miel tout à l'heure. Oh. Ok, peut-être une miniature? Oh, la miniature! Oh. Impossible de fuir, j'imagine? Oh, c'est ça. Ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Pardon? Ah, j'ai plus de Pokéball, je crois. Ah si, j'ai acheté des Honor Ball. Imaginez un Xerneas, genre de type feu. Attends, j'ai fait une attaque psy, ça lui a pas fait de dégâts. Mais alors, il est quel type, les gars? Et poison est super efficace. Fait. Attends, c'est genre juste un Xerneas. Attends, j'ai galéré pour juste avoir un Xerneas. C'est un Xerneas, quoi. Xerneas, il est fait de base. Alors, Honor Ball, Croc Rasoir, vieux santon. Gratuit? Attends, un vieux santon s'achète gratuitement? Le glitch pour avoir de l'argent? Parce que ça se revend combien? Ça se vend ailleurs. Oh. Bon là, pour ceux qui connaissent pas le jeu, on doit réveiller le Ronflex. Je trouve ça limite un peu gratuit. Oh, j'ai oublié d'acheter des Pokéballs. Après, je crois que le Ronflex est fixe. Il me semble qu'on peut pas le randomiser quand j'avais fait le Shiny Only. Ah non, 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 peut-être il va changer. Ah non, 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 s'il est fixe, le Ronflex. Les gars, elle est encore loin la deuxième arène ou pas là? Je n'en peux plus, hein, de pas faire de badge. Oh! Allez, s'il te plaît, allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, pas de la merde. Alors? Oh! Why not? Il faut voir ses stats et il faut voir. Il est normal roche. Ah, c'est nul à chier. Oulala. Oulala, je crois qu'on va abandonner Nonokage. Hein. Ah non, 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 je peux pas mettre ça dans mon équipe. Encore? Tortipousse? Alright, seriously now. Bah, je crois qu'on va l'abandonner, hein, sauf s'il a un bon double type. Électrique normal, oh là là, mais ils ont quoi avec le double type normal? Je suis désolé, hein, mais là, c'est vraiment trop flopesque. Fais juste gaffe à ton pas assez simple. Ouais. Oh! Ok, je capture. Non. Oh là là! Oh! En vrai, type plante, why not? Ça passe. Mets tes passages en chat. Je ne buse. Allez. La défense. L'attaque. Oh! L'attaque P. Oh, il a une attaque P de zinzin. Et quand je vais être à... Je pense qu'on va essayer de le catch en vrai. Hein. Oh, first try. Ok, je vais appeler Sorad. Quel type? Quel type? Un bon type, s'il te plaît. Ah non, non, non. Non, je vais même pas le renommer, les gars. Je le joue pas. Hein. Mais... Oh, Togekiss, en vrai. Dire un bon double type, Togekiss. Électrique pur.
Allez. Bon, allez, Totol. Alors, je pense que là, on va regarder les stats de Togekiss, le frérot, et aussi, on va réveiller le fossile pour voir ce qu'il y a. Oh, 49 en attaque spé, ça peut être quelque chose, hein. Bon, allez. Alors, le fossile mâchoire, qu'est-ce que ça va me donner? Vous pensez que ça va me... Il est pas lock? Les stats aussi sont random. Ouais. Grain dur. Je leur nomme pas tout de suite, hein. Bon, attends, mais en vrai, je peux faire directement l'arène, non? Je pense qu'on va faire l'arène. Là, je crois qu'on écoute le boss final. Nouveau saut. Carapuce. Bon. Ah! Il utilise ma propre attaque contre moi! Il a utilisé ma propre attaque contre moi, les gars! Ouh, les dégâts par contre de Totol! Psycho. Oh, mais je suis type électrique pur, ça devrait aller. Ça va. C'est neutre, plus pas stable, plus ratio! Let's go! Attends, j'ai fait deux coups critiques d'affilée. Deuxième badge! En combien? 4 heures. Waouh! Non, vraiment, clairement, je roule du cul. Pourquoi c'est plus un méga Elite Sprint? Et Lucario, il a changé aussi? Ils ont perdu leur méga? Oh, j'ai envie de pleurer. On a deux badges. En vrai, si je peux esquiver les dresseurs. Ah, les petites merdes comme ça. Oh, ça peut être une miniature. Putain, c'est incroyable, par contre, c'est vraiment pas cher. L'anti-zoom augmente la précision, on s'en fout. Latios Elite. Allez, je la prends, c'est 0 balles. Il y a des super bobos en vente. Oh la dinguerie. Attends, mais là, on est dans quelle ville déjà? Ah, ok, Team Flair. Bon, continuons. Combat contre le Lucario. Ah, mais non, il est random, Lucario. Ouais, il est random. En vrai, un Arcanin, je suis chaud de capturer. Parce que je pense que ça a pas des stats dégueu de base. En plus, si ça les sweep, why not? Yes! Qui va être le prochain, les gars? Electric Spectre! Oh là là, la dinguerie! C'est un bon Pokémon. Elle est quand même nulle à chier, cette grotte, hein. Allez, hop! Ah non, d'accord, il y a une arène ici. Je savais pas qu'il y avait une arène enfin, ici. Ça me plaît. Ok, troisième arène. Je sais pas du tout Elite quel type, hein, le Smogogo. Mais il est mort. Steelix trop fort, par contre. Alors, Noctu Noir! Alors, qu'est-ce qu'il a? Coup victoire, c'est quoi cette attaque? Wesh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'était que cette attaque de Zinzin? Oh, intimidation par contre à son âge. Oh putain, il fait des dégâts quand même, ce bâtard. Non, mais c'est obligatoirement un type spectre, vu que combat ça touche pas, enfin. Oui, oui, oui. Ouh, les dégâts! Je pense que j'ai gagné. Dehors! En tout cas, c'est win, les gars. 3 badges. En vrai, Elex Sprint, je suis désolé, hein, mais depuis que t'es plus méga évolué, c'est dehors. C'est qu'on a Darkrai, mais type normal, donc on l'a jamais joué, mais. Mais imagine, elle me donne un Pokémon de merde, vu que c'est random. Charmina! Ok. Et moi, j'ai qui? Puis tiens. Ouh! Il est glace fée, ectoplasma glace fée, et il a l'ectoplasmite. Glace fée, c'est pas mal en vrai. Moi je pense le jouer, hein. Ouh, super repousse, ça c'est très bien. Joyeux spectre, non. Ah, je peux en acheter qu'une par une. Oh, le stonks. J'en achète quelques-unes. Ah bah les gars, le jeu est random, hein, j'en abuse, mais c'est... Eh. Ok, là c'est bon. Ah, du coup là on va pouvoir surfer à droite, c'est ça. Ah non, il faut le badge de lutte. D'accord. Ah ouais. Mais je sais pas qui enlever de mon équipe. En vrai, Togekiss, je l'utilise jamais, hein. Il faut faire des choix de toute façon. Salut mon pote. Après, tout est aléatoire, hein. Peut-être que c'est un banger. Il est psy-plante. Il a soit poison. Il est très mid, hein. Après, il a flamme bleue, quoi. Après, psy-plante, j'aime bien, moi. Mais bon, de toute façon, Miradar, il a déjà des stats de merde. Donc, même si elles sont dispatchées n'importe comment, bah, elles sont nulles, quoi, ces stats. Attends, mais à gauche, ça sert à quoi, là? Ah, il faut descendre pour remonter, c'est ça? En tout cas, quatrième badge. On est contre Zeblizz. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter de zinzin mon attaque et après, je vais le sweep, hein. C'est clairement ma stratégie. Et là, je suis en plus 4, théoriquement. Enfin, sauf si les types volent, ça devrait le faire. Même si c'est pas efficace. Voilà, plus 4. Ok. Par contre, vraiment, mon Steelix, c'est le goat de l'aventure. Hein. Ce Steelix fait aisément le quatrième badge. Oh, mon Aflémite! Allez, quel type? Acier fait! Mais c'est quoi ce poulet? Putain, les gars, je vais l'appeler Arnouille. Hein. Il attaque le lourd. 95 en attaque spé. Et il a feu sacré. Ah non, feu sacré, c'est physique. Ah, il a que du physique, par contre. Merde. Ça va. Parce qu'en vrai, du coup, je vais juste lui donner des attaques spéciales, quoi. Tout ce qui est Team Flair, j'avais dit que j'allais accélérer. Et honnêtement, je pense que vous allez me remercier. Hein. Moi, ça va. Je continuerai le jeu. Wow! Ok, feu sacré? Ça va! Oh, mais attends, mais feu sacré, ça brûle de zinzin. Lance écrou qui est stabé. Allez hop. Dehors! Ok, on retourne du coup. Oh! Attends, mais déjà, cinquième badge. Hein. Oh non, putain, attendez. Il y a le SDF le plus classe de France. Classe de France, mon gars. Allez, je la trouve tellement cool, cette arène. Le fait qu'on soit dans la Tour Eiffel, le quiz, je la trouve incroyable, cette arène. Bref, cinquième badge. Après lui, il me restera 3 badges. Oula, il est type feu? Oula, ce n'est pas très efficace. Il doit être de type feu, non? Qui se base? Pourquoi il est resté? Il a ceinture force? Ah, demi-tôt. Il a la ceinture force. Wow. Ok, ça va. Ça va, il a perdu. L'aime le champion. Let's go. En vrai, je m'en sors grave bien. Très très beau badge. On peut acheter les restes. Ah, demi-to. On peut acheter l'orbe vie. Mais c'est quoi ce poulet? Ça va être un TikTok, hein. Non, pas toi. Il est dans tous mes jeux. Dans toutes mes aventures, il est là. Vas-y, je vais l'appeler Nathan. En vrai, s'il a un bon type, je le joue. Oh la merde. Oh, c'est nul. Oh non, je veux pas. Tu dégages. Ah, j'ai plus le mec à surf dans mon équipe. Oh, c'est pas grave. Est-ce que là... Attends, je me suis soigné ou pas? Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut d'abord faire l'arène ou est-ce qu'il faut faire le truc avec l'usine des Pokéballs de merde là? L'arène. Arène d'abord. Let's go.
Et en vrai, c'est 6ème badge, hein. Et Spike, oh putain, 6ème badge, j'en ai même pas parlé. Et je l'ai one shot. Chafroi a l'air de dire, je me fais one shot, non. Donc là, je fais rengorgement. Une fois. Et là, en gros, ce que je vais faire, c'est tunnel. Et encore, je sais pas. Par contre, l'animation de revenant est exceptionnelle, hein. Moi, karaté? Ah merde. Ah non, je suis fait, moi. Ah, revenant, ça a que 5 pp. Du coup, c'est pour ça qu'il fait des attaques de merde. Ok, ok, j'avais pas la ref. 6ème badge. Oh, elle m'a donné avec la mage. Ok. Attends, il peut apprendre ça, Arnouille. Alors, même si. Attends, c'est stabé. Arnouille a l'air de dire, je suis le meilleur Pokémon de la game. Il est assiéffé. Il a 122 en attaque spé. Les gars, j'esquive un maximum les dresseurs pour pas être overlevel, hein. Et avoir un minimum de challenge. Je sais pas du tout si je prends le bon chemin. La Frescale, j'adore cette ville. Oh là là, je vais affronter la meuf là. On va voir qu'est-ce qu'elle a comme Pokémon. Son seul Pokémon, c'est une petite tortue de merde. 48. Attendez, je suis underlevel de fou là pour l'aventure, non? C'est quoi les gars la prochaine arène? Attends, il me manque que 2 badges là. Et j'avance vite. En sar, j'avance vite. Ah oui, c'est vrai, il y a un combat contre le rival ici. On va voir les Pokémon qu'il aura. Je pense qu'il aura des Pokémon de zinzin. Putain. Bah oui, c'était sûr en fait. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça va pas? Péter les plombs. Il a pété les plombs, mon rival. Le pire, c'est qu'il m'a même pas tué, quoi. Raikou. Mais c'est quoi cette équipe de fou qu'il a, par contre? On peut se calmer 2 minutes ou pas? Allez, surpuissance one shot. Qu'on n'en parle plus. Oula, gênant. Oula. Mais putain, mais il résiste à tout, wesh. Il est quel type? Charge foudre. Ça, c'est Atlas de Zekrom. Mec, prends-la, s'il te plaît, elle est trop stylée. Iviltal. Attends, il a. Attends, attends. C'est aberrant. Glaciation! Ça one shot obligatoirement? Salut Okapik! Ban le mec! Enfin gagné ce combat! Eh bah en vrai, bizarre! Attends, quoi? C'est quoi cette arène? Ok, d'accord. Tellement stylée cette arène. C'est vrai qu'elle est cool. Elle est vraiment cool cette arène. Par contre, c'est au niveau 46, hein. Je commence à avoir des levels de retard. Mais en vrai, c'est cool si j'ai des levels de retard. Mais en vrai, c'est bizarre que je roule sur le jeu alors tout est aléatoire quand même. Ah, c'est bon, c'est bon! Oh, let's go! Ok! 6ème badge! Ah non, 7ème badge! Attends, mais je vais trop vite! Oh, l'animation de zinzin! Super efficace, voilà. Mais attends, attends, une attaque de type combat et vol en même temps. En tout cas, 7ème badge. Qu'est-ce qu'il va faire après ce 7ème badge? Est-ce qu'on a un combat contre Lysandre ou pas? Ah, on a un premier combat contre Lysandre. Alors, premier combat contre Lysandre. Putain, il a des niveaux 45, hein, c'est chaud. Hein. Allez, j'imagine qu'il est type proche. Je sais pas pourquoi. Je le sens. Pas du tout. Pas du tout. Bon. On a battu Lysandre. Qu'est-ce qu'il y a déjà en bas? Ah, il y a Z. C'est vrai, il y a Z. Oh! Oh là là, mon légendaire, c'est un Victini! Incroyable. Un Master Ball. Après, est-ce qu'il a des bonnes stats ou pas Victini? Parce que les stats sont aléatoires, mais est-ce que de base il a des bonnes stats qui vont switch? Putain, j'avoue que de tous les Pokémon aléatoires, j'ai eu Victini 100 partout. Il a 100 partout? Ah bah ça sert à rien. Ah ouais, mais du coup là, les stats. Oh, plante. Plante pure. Un Victini plante. Demeteros. What? Pourquoi le terrain il est en feu comme ça? C'est pour la team Flair. Ah, ok, d'accord. Je pensais que c'était un effet météo, tu vois, genre qu'il faisait chaud ou que je sais pas quoi. Et je me dis, mais attends, mais j'ai Airlock. Putain, j'ai même pas pu voir le talent de Victini ni ses attaques. Crisacier? Tu m'attaques avec un crisacier? Non, 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 mais la team Flair. Ok, en tout cas, c'est win. Mais Arnouille est trop fort. Hein. Attends, là, c'est dernière arène? Non. Alors là, j'ai la Karchakrotique. Attends, mais les gars, j'ai énormément de thunes. Ok, là, alors les racines, j'adore. Regarde Victini. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah, il a de bonnes stats, ça c'est sûr. Attends, il est niveau 50. Bah, en vrai, c'est pas ouf, hein. Non, 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 il est pas ouf ce Victini plante. Dernier combat contre le rival, il me semble. Ah non, pas du tout, il y en a peut-être avant la route victoire. Il a garde mystique? Oh putain de merde. Il a garde mystique, le problème, c'est que je ne connais pas son type. Comment je sais? Oh! Bah, c'est super efficace. Allez hop, dégage! Arnouille, honnêtement, t'as eu de la chance de tomber sur Monaflemite, hein. Je pense sincèrement que tu te feras pas ban. Après, il peut avoir des dingueries, c'est à la ligue et tout. J'essaie de pas faire en fait trop de dresseurs comme ça. À la ligue, j'ai un peu des niveaux de moins et qu'on galère un peu. Pilule talent. Oh, wow. Attends, ça peut être pas mal ça. Je tente les pilules talent. Attendez, une fois que c'est fait, on peut plus changer? Immunité haut. Bah, c'est bien. Force soleil, attends. Ah, mais oui, il a le pire talent du jeu en plus, lui. Oui, oui, oui. Motorisé, c'est quoi déjà? Au moins de la vitesse. Enfin, c'est bien, mais c'est pas. Déjà. Oh là là, dernier badge. Mais je pense mettre pour la ligue, vraiment mettre les restes à Arnouille, hein. Bref, il commence avec un Ponchou. Oh non, j'ai oublié de me heal. Enfin, de mettre les PP. Bon, c'est pas grave, c'est un Ponchou, c'est bon, abuse. Ok, Régigigas. Oula. Régigigas sans début calme et avec un vrai type. Bah, c'est monstrueux en fait. Soit de type poison, mec. On en parle bleu. Ah non, pas de type poison. Enfin, je. Ok. Wow, ok, il est dans la partie 5 de Jojo. Ok, ok, ok. Tacle lourd, voyons voir ce que ça fait. D'abord, je lui ai fait vraiment 0 dégâts, hein. Ce n'est pas très efficace. Sport. Mais c'est quoi ce Regigigas qui joue sport? Moi, bon, je switch, hein. De toute façon, je suis endormi. Ah, mais, d'accord, mais c'est suicidé. C'était son dernier Pokémon. Ah, mais mec, mon gars, Requiem, ça te tue là. Il s'est suicidé. Je l'ai même pas tué. En tout cas, en route vers la route victoire. Le chemin final, après 10 heures de jeu. Putain, il y a des dresseurs obligatoires. Putain, mais je vais vraiment avoir des niveaux d'avance, non? J'aurais bien aimé avoir 5-6 niveaux de moins. Allez, allez, allez. Ah! Dernier combat contre le rival. Avant la ligue. Putain, j'aurais dû me soigner avant, j'ai pas de pépé. Super efficace? What the fuck? Ah merde, je suis devenu de type normal. Ah, du coup, j'ai plus mon stab, c'est chiant.
C'est fini, c'est fini. Oh, merci. Putain, attends, je le bats et en plus, il me félicite, quoi. Enfin, il me donne des objets. Mais les gars, je dois aller où, là? Il y a trop de chemins différents? Ceinture pro, c'est bien. Bah, de toute façon, j'ai des orbes, j'ai des life orbes. Mais je pense que je vais y aller avec 5 Pokémon déjà parce que la ligue, ils ont que 5 Pokémon. Aussi, les adversaires. Les gars, est-ce que quelqu'un peut me dire où est-ce que c'est le rappeleur de capacité à la frescale? C'est qui a des attaques un peu gaze? En vrai, jeune buste a des attaques un peu gaze, hein. Désolé. Là, on est bien. T'as torché le jeu. Mais je sais pas, c'est. Et tu sais que je suis allé très lentement. Hein. Je pense que je vais lead avec Arnouille, hein. Oh là là là. Cette ligue-là est cool quand même. Oh, par contre, l'ambiance ici est incroyable. Hein. 63 ? Attends, mais Totol, c'est pas mon Pokémon le plus haut level ? Ah non, c'est 62. Oh, ça n'est pas très efficace. Ouh là là. Par contre, niveau 63, j'hallucine quoi. Allez hop. Arnouille. Non mais Arnouille, lui, il est parti avec tous ses niveaux. Hein. Bon, je switch parce que j'ai eu peur, les gars, je vais mettre Axil. Non mais Axil, il est niveau 56, il a 310 HP. Allez, jet Vaps. On va voir l'animation. Oh, je suis déçu. Putain, mais non mais par contre, on m'en parle que le jeu est tellement facile que. Enfin, ils ont 4 Pokémon, les mecs de la ligue. Première victoire, honnêtement, c'était assez facile. Hein. Les gars, je pense lead avec le GOAT Axil. Il m'a bien plu. Attends, c'est qui? Narcisse. Alors, Nostanfer. Mais 63, mais ça va pas la tête? Voilà, Deodor. Mais Arnouille, de toute façon, c'est le GOAT, en fait. Pourquoi est-ce que je me fais chier à jouer avec d'autres Pokémon alors qu'il y a Arnouille? Tiens, tiens. C'est gagné. Mais ils ont que... Par contre, le fait qu'ils ont que 4 Pokémon, les espèces de maîtres de la ligue, c'est aberrant. Hein. Troisième membre du Conseil 4. Par contre, la musique... Ça turn up, hein. Après, on dirait que je viens de lancer mon live. Oh merde. Est-ce que j'ai une attaque super efficace contre moi-même? Bah, il est fait acier. Enfin, je suis fait acier. Je suis contre moi-même. Attends, mais être contre Arnouille, c'est une dinguerie, par contre. Ok, j'ai fait changer clair. Changer clair. Quoi? Le gros copieur? Je pensais pas qu'il allait faire changer clair. Mais du coup, il va perdre l'imposture. Ok, nice. Cacnea. Et là, je suis type quoi? Je suis type fait pur, non? Bon, fait pur, vas-y, je fais flying press. C'est bon aussi, toi. Ce n'est pas très efficace. Ah, j'ai fait une attaque combat. Oulala. Ouf. Attends, mais c'est juste moi, mais avec des niveaux de plus. Putain, il attaque avant, le connard. Il y avait une speed tie. Axil est ban, on s'en fout. Ouais, mais je l'ai set up, ça me fait chier de perdre. Dors. J'ai vraiment des levels de retard, mais même avec des levels de retard, je l'ai détruit. Rock boulet. Oh, c'est une attaque en multi-coup ou pas? Ah non, ok, non. On est parti. Je reset Axil, enfin, je le remets en vie. Oh putain, niveau 63. Suicune, et bah putain. Les petits restes sur Arnouille. Non mais fou. Mais Arnouille, c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée, hein. Mais après il m'envoie des venipattes. Bref les gars, c'est la fin ou quoi? Ouais, c'est la fin, mec. Cynthia. Mec qui confond les meufs. Par contre la musique est incroyable. Et elle a 6 Pokémon. Ok. Ok, Techno Buster, voyons voir. Mort j'imagine. Pas du tout. Oula. Ouais. Ok, je vais être obligé de switch toute façon. Joueur potion, qu'est-ce que je veux dire? Ok, change éclair. Là je vais me permettre de faire un petit switch intelligent. Je vais mettre le GOAT Steelix et Steelix va pouvoir se up. Marc Acrin. Non mais le maître de la ligue m'envoie Marc Acrin, les gars. Jet Vapeur. Allez, c'est bon, on en parle plus. One shot. Voilà. Grotan Morve. Ça va, je suis type fée, je devrais rester. Fée, ça résiste à feu. Ouh, Lance Flamme qui est super efficace. Qu'est-ce qu'il fait? Copieur. Attends, mais gros copieur là. Ça se passe tellement bien. Bagaïde. En vrai, je vais sacrifier Axil. Dans le sens, il a torche, non. Ok, je vais utiliser une guérison. Comme ça me met full life plus confusion. En fait, je vais pas le sacrifier. Ouais, je suis un joueur potion. Allez, Axil, concentre-toi. C'est bien, c'est bien. Eh, je bouge pas tant que je l'ai pas tué. Hein. De toute façon, je vais devoir switch. Attends, en vrai, c'est intéressant d'avoir fait Requiem. Je suis obligé de switch, non? Putain, mais mec, il a des Pichu. Il est trop mignon. Allez, Arnouille détruit Pichu, histoire qu'on en parle plus. Voilà. Non, mais dehors, c'est un Pichu quand même. Ok. Mimitos. Non, mais c'est une blague dentaire. Bah oui, Mimitos. C'est le dernier Pokémon de la ligue, ouais. Méga Branette, par contre, il a vraiment un flot de zinzin. Confidence. Qu'est-ce qu'il y a? Pas mon attaque SP, putain, tout sous ça. Tac le loup? Quel type en fait, Méga Branette? Oh, j'ai gagné, genre. Et voilà, Pokémon X, mais tout est aléatoire. C'est fait. Je sais qu'il y a AZ, voilà, je sais YouTube qu'il y a AZ. Laissez-moi tranquille. Mais on va pas faire AZ. Il est nul, enfin. Vous savez quoi, j'accélère jusqu'à ce qu'il y a AZ. Comme ça, vas-y, on fait. Abonnez-vous YouTube d'ailleurs si cette vidéo vous a plu. En plus, on a fait pas mal d'artwork et tout. J'espère que vous avez kiffé pouvoir visualiser un peu les Pokémon, mais sous différents types. Abonnez-vous, pitié, on rush les 200 000 abonnés. Pitié, abonnez-vous. Oh là là, putain, mais vraiment, je le full one shot. En vrai, Galégon, ça va. Ouais, je le full one shot, hein. Et là, il va dire, je comprends ce que c'est qu'un vrai dresseur, mais bon, voilà, on a fait AZ. En tout cas, c'était cool. L'aventure était vraiment cool. Vraiment, le tout aléatoire était cool.